tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir la Glossy Box édition Fête des Mères. Comme vous savez, voilà, c'est un peu comme l'édition de Pâques, Glossy Box, j'aime bien prendre leurs éditions un petit peu spéciales, pas toutes, mais il y en a certaines que j'aime beaucoup, c'est un petit peu un rituel tous les ans, de prendre leur box. Donc j'ai craqué, donc je l'ai payé 20€ parce qu'elle valait, il la vendait 30€, et puis après il faisait des codes promo, j'essaierai de vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations, voilà, si ça vous intéresse, pour avoir cette box. Je l'ai payé donc 20€ frais de port gratuit, donc franchement voilà, elle vaut le coup. Au niveau de sa valeur, de la valeur de la box, je sais plus exactement, mais elle n'est pas donnée. Franchement, enfin, c'est une grosse valeur, je vous le mettrai le prix ici de la valeur de la box, mais franchement ça vaut vraiment le coup, surtout pour 20€. Je trouve que c'est quasiment le prix d'une box mensuelle, hein, qui est d'une quinzaine d'euros, hors code promo bien sûr, mais et là je peux vous dire qu'elle est lourde, hein. Elle est très 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 lourde. Donc bah c'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Et bah c'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu. Au niveau de la boîte également, on avait le choix entre deux couleurs, donc soit une couleur bleu pastel comme ceci, ou alors rose également. Moi j'ai choisi bleu parce que voilà, je me suis dit que ça pouvait être plus joli. Après je vous avoue que la boîte, je sais pas si vraiment je vais la garder, parce qu'au bout d'un moment je m'en sers souvent pour mes envois, voilà, quand je fais des envois sur mon compte Vinted, je me sers souvent de ces boîtes là pour envoyer, et du coup des fois ça fait des jolies boîtes d'emballage. Nous avons ici la carte avec la liste de tous les produits, je crois qu'il y a 9 produits au total. Première chose que je prends, c'est ceci, ça doit être un masque, j'ai pas regardé je vous avoue, et donc c'est la marque Floreve. Je ne connais pas cette marque, voilà, il arrive encore qu'il y a des marques qu'on ne connaisse pas. Igneous masque anti-âge, raffermit la peau, réduit l'apparence des rides, un masque en fibre ultra fine, collagène et graines de tara. Trop bien, bon bah voilà, ça me correspond, hein. Donc forcément les rides sont apparues, elles sont là, elles sont bien là, donc bah va falloir en prendre soin et les faire diminuer. Donc bah j'ai envie de tester ce masque et voir un petit peu ce que ça donne. On continue, alors on prend un petit peu ce qui vient parce que la box est vraiment très remplie. Wonder Wand. C'est le mascara de chez Ciaté que moi j'avais déjà reçu également dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était l'année dernière, et pas, enfin pas l'année dernière, l'année d'avant. J'avais bien aimé, vraiment bien aimé ce mascara. Donc là bon, on le retrouve ici, je suis très contente, ouais très contente, parce que c'était un très joli mascara et j'aimais beaucoup son rendu. Ensuite, la marque Effect, nous avons une poudre transparente, Matte Effect, voilà, pour une jolie poudre transparente. Alors je crois que je l'ai déjà reçue. Attendez une minute. Oui. Effectivement, voilà, je l'ai déjà, je l'utilise un petit peu. C'est vrai que du coup, je l'utilise pas souvent. J'ai pas forcément l'habitude de l'utiliser. Donc j'en ai déjà une deuxième. Voilà, je vous avoue que ça met tellement de temps à utiliser que je ne sais pas si je vais la garder ou pas. En tout cas, c'est une très bonne poudre qui fait transparent, qui matifie. Donc très très bien. Franchement, très très bien. On continue avec Figan Rouge, et cette fois-ci c'est le Wonder Love Rose Glow. Donc c'est un illuminateur, voilà, vous mettez ça sur le... c'est une base illuminatrice on va dire. Bon, c'est pas du tout ce qui me correspond, moi ça me correspond pas du tout par rapport à ce que je recherche. Moi j'utilise plutôt des bases matifiantes qu'illuminatrices. Alors ça peut pas... voilà, moi je recherche quelque chose d'assez... mat, voilà, j'allais dire terne, mais non, mat, j'aime pas trop voilà, briller ou quoi que ce soit, un petit peu d'highlighter, mais très très rarement, parce que au travail, voilà, j'ai pas forcément envie de ressembler à une boule à facettes, voilà, bon, c'est pas ce que je recherche, mais en tout cas, c'est un très bon produit, avec une très bonne marque. On continue avec la marque Kirines. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette marque-là. Kirines, on avait eu souvent des masques, et j'aime beaucoup cette marque, une très jolie marque. C'est le Wrap Temps Sublime, masque premium anti-âge global. Bah, décidément, pour la fête des mères, hein, forcément, et qui dit maman dit rides, apparemment. Est-ce que c'est les enfants qui font ramener les rides aux mamans ou quoi? Donc c'est un masque, le Wrap Temps Sublime, d'accord, c'est rigolo qui marque ça comme ça. Bon, mais bah pourquoi pas tester un petit un masque. En tout cas, il fait le packaging est très joli, très doré et très joli.
On continue avec la marque Odile Le Coin Paris. Je ne connais pas du tout non plus également cette marque-là. C'est chouette parce qu'on découvre plein de nouvelles marques. J'aime beaucoup, c'est Or Je Suis. Le sérum anti-rides par excellence. D'accord. Bon, décidément. Voilà, alors si vous voulez pas de produits anti-rides, bah, je vous conseille pas cette box, hein, clairement. Voilà, en tout cas si vous recherchez, si vous avez des... je vous avoue que des marques de rides ou des marques d'expression, on en a assez rapidement, hein, donc c'est toujours bien de commencer assez tôt. Moi j'ai commencé très tard et bah, du coup, bah, voilà, j'ai des rides un petit peu plus marquées que d'autres. Donc un joli petit packaging comme ceci, je trouve ça tout mignon. Avec un poussoir, c'est tout joli. Donc voilà, un petit sérum pour les rides. On continue avec un gros pack de la marque e-cooking. C'est ça, e-cooking, oui, on en a déjà parlé il n'y a pas très très longtemps dans une précédente vidéo. On avait reçu un produit de cette marque-là et je vous disais qu'on en entend de plus en plus parler. Et c'était très chouette parce que j'aimais beaucoup leurs produits. Et donc là, on a un trio Nighttime Beauty Treat. Donc nous avons un peeling mask, donc c'est celui-ci qu'on avait reçu dans une précédente box, voilà, tout simplement, donc c'est celui-ci, je le reconnais, donc on a un masque hydratant et une crème de nuit, franchement ça c'est un super super pack, trop chouette, trop chouette. On continue, il nous reste encore deux produits de la marque Babor. On avait déjà eu un produit de cette marque-là il y a très très longtemps, donc c'était un rouge à lèvres. Et là, c'est dans Creamy Lip Color. Donc c'est également encore de nouveau un rouge à lèvres. La teinte, je ne sais pas, ça va être la surprise. J'espère juste que ça va pas être une teinte. Donc j'aime beaucoup le packaging. Franchement, regardez-moi ça, ce packaging. Franchement, je suis en train de mettre des traces de doigts partout. Mais c'est super, super méga beau. Oh non, c'est une très jolie couleur bois de rose. Vraiment une très très jolie couleur. C'est, je pense, pratiquement la même couleur que ce que je peux porter. Vraiment très joli. Mais alors le packaging, c'est tellement beau. Tellement beau. Et on finit avec une petite palette comme ceci de la marque Luvia Cosmetics. Meets Glossy Box, donc c'est en partenariat avec Glossy Box, encore une marque que je ne connais pas, donc Vegan Eyebrow Palette, donc voilà, une palette de fard à paupières qui est cruelty free, vegan, donc ça c'est super super chouette. On va découvrir ensemble tout de suite les teintes. Donc voilà, c'est en carton comme ceci. Oh, il y a tout de même un joli petit miroir, vous avez un miroir, donc ça c'est plutôt sympa, et donc trois jolis fards comme ceci, qui sont très très sympas, très sympas. Donc voilà pour la Glossy Box édition Fête des Mères, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est une très très chouette box, clairement pour le prix, j'ai envie de vous dire que bah, foncez quoi, foncez pour le prix. Je vous avoue qu'il y a peut-être un ou deux produits qui ne me correspondent pas, mais le reste, franchement, elle est rentabilisée quoi, elle est clairement rentabilisée, c'est une très jolie box à s'offrir ou à offrir, clairement, même pour les mamans, je pense que ça pourrait très bien leur faire plaisir. Je trouve qu'ils ont vraiment, elle correspond, elle est vraiment dans le thème d'une box spéciale édition Fête des Mères. Enfin voilà, je trouve que le contenu correspond clairement à une maman, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous en pensez également de cette box, mais voilà, moi je la trouve vraiment très très jolie. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.